Sur le plan politique, le cinquième mandat en cours du président de la République Idriss Déby Itno aura été marqué par d'importantes avancées remarquables et historiques. Dans son discours d'investiture le 8 août 2016, le chef de l'État a annoncé de grands chantiers, notamment les réformes institutionnelles. Pour le chef de l'État Idriss Déby Itno, personne ne doit rater cet important rendez-vous de l'histoire qui s'inscrit dans la veine tant souhaitée de la refondation de la nation tchadienne. Cet idéal collectif, dit-il, doit prendre le pas sur tous les ressentiments et considérations politiciennes. Pour tenir ses engagements, Idriss Déby Itno a multiplié des séries de rencontres avec les acteurs politiques, majorité présidentielle et opposition démocratique. Tous les sujets de préoccupation nationale ont fait l'objet des consultations et ont débouché sur la tenue du Forum national inclusif qui a vu l'implication et la participation des différents acteurs de la scène politique tchadienne du 19 au 27 mars 2018, lequel forum a consacré la naissance de la 4e République. En toile de fond de ces assises nationales, 6 thèmes ont été débattus de fond en comble par les participants. L'une des conclusions majeures de cette réforme, le Tchad entre dans la 4e République avec une nouvelle constitution promulguée le 4 mai 2018 par le président de la République, Idriss Déby Itno, après l'aval de l'Assemblée nationale. Dans la nouveauté de la 4e République, les membres du gouvernement et certains responsables des institutions de la République doivent dorénavant prêter serment. Toujours en sa qualité de garant des accords politiques, le président de la République a réussi à mettre terme à la léthargie dans laquelle est plongé le Comité national de dialogue politique. Après moult tergiversations, ce cadre qui a toujours servi aux acteurs de la scène politique tchadienne de plancher sur les grandes questions de préoccupation nationale est enfin restructuré. L'adhésion des partis politiques composant la majorité présidentielle et l'opposition démocratique au CNDP a toujours permis de consolider davantage les acquis du processus démocratique au Tchad. Les différentes rencontres organisées par le président de la République et surtout celles avec le chef de file de l'opposition Saleh Kebzabo en est une parfaite illustration. Le dialogue politique veut cher au président de la République continue de porter ses fruits. Avec la 4e République, le paysage politique connaît ainsi de profondes mutations. Une nouvelle charte des partis politiques a vu le jour. Pour ne pas rater le train de la 4e République, les partis politiques qui ne seront pas en phase avec la nouvelle charte se verront écartés du jeu démocratique. Lors des travaux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le chef de l'État Idriss Déby Itno nous disait qu'il n'est de secret pour personne que certains partis politiques se créent dans le seul but d'obtenir la subvention impartie par l'État au fonctionnement des partis.